t'es pas obligé de dire. Faut tirer de l'os lisse. Là, les tout petits points ici, du coup, c'est des ostéocytes. D'anciens ostéoblastes qui se sont fait emprisonner dans la matrice qu'ils ont sécrétée et qui vont rester et résider en gros dans l'os. C'est quand même une chance fantastique de pouvoir avoir accès aux chercheurs dans les laboratoires. On est au stade de la recherche, mais très très proche de l'application qu'on peut avoir pour le grand public. Là, vous avez un vrai spectre composé d'un liquide que nous, on a mis dans les tubes RMN et on a fait cette analyse-là. J'ai aimé la visite et juste après demander les emails pour pouvoir faire mon stage. Une suite d'énigmes inspirée en fait de la mission SVOM. C'est une mission franco-chinoise qui est dédiée à l'étude du ciel transitoire, donc c'est des phénomènes explosifs dans l'univers. Et du coup ici vous avez par exemple une maquette du masque codé, donc c'est la technique qu'on utilise pour observer ces phénomènes, pour mettre au point les petites énigmes qu'on a fait pour cette escape. Voilà. Et ils ont l'air en tout cas intéressés. Hein. Et on essaye au fur et à mesure de l'expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà, j'espère que ça leur donne des petites clés de ce qui se passe un petit peu dans l'univers. On va faire tout ça comme ça, juste pour avoir une représentation de l'organoïde final en trois dimensions. Comme ici, on a fait de la génétique, on a fait de la manipulation en labo, mais sans être dans une classe avec un prof qui explique, c'est une autre manière d'aborder la science en fait. Moi, ça a suscité ma curiosité, ça a piqué un peu mon intérêt. Ah, là, il va arriver ici. Tu penses qu'il va réussir l'astronaute? Tu cliques sur le bouton rouge pour lancer et tu regardes l'astronaute. Elle avance. T'as réussi. C'était assez simple à comprendre. Même on revoyait des notions qu'on avait déjà vues au lycée. Et tout à l'heure, on est dans un domaine totalement différent avec les ondes et on passe aux bulles. Et voilà, donc ça couvre un peu tous les domaines. Il posait plein de questions, il répondait notamment à celles que je posais aussi. Vraiment, ce genre d'événement peut créer des vocations. Ouais.